Bouffetou! Salut, c'est Boisdin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Parce que je vais avoir 2 minutes, ni plus ni moins, pour dessiner un bouffetou en carte, une gentille proposition du pachyderme rose. Je fais un bouffetou! En avant, je commence par le carte. Je vais faire un carte tout carré. Parce que j'en ai jamais dessiné, donc je vais faire un bout de ferraille avec 4 roues, hein, on va pas se faire chier. Alors je vais faire un truc à l'avant, là, comme dans Mario Kart. Voilà, un espèce de machin avec un logo, parce que je suppose que la personne qui m'a demandé ça ne pensait pas à Crash Bandicoot Racing, bien sûr, en me demandant un kart. Alors, les roues. Voilà, on va faire des roues carrées, tiens, hop. Et pour faire croire qu'elles avancent, on va faire un petit effet comme ça, un petit truc blanc. Ça fonctionne toujours bien. Hop, ça c'est la roue. Parce que perspective, donc du coup on voit les côtés de la roue. Là c'est pareil. Donc on va faire un joli cube. Voilà, un truc comme ça. J'ai pas envie de m'attarder sur le kart. J'ai envie de dessiner le bouffetou. Donc un bouffetou, c'est un espèce de mouton, hein, qui vient du jeu Dofus et Wakfu, qui est une créature bas level. Le bouffetou, c'est la première créature que tu pètes quasiment, et c'est le premier donjon que tu fais, le donjon des bouffetous, il y a tous les noobs qui traînent. Quelle nostalgie, Dofus, c'est magnifique, vous allez me dire, c'est merveilleux, qu'est-ce que... J'aurais pu faire des ronds, hein. Remarque, ça aurait été plus simple. Mais je me suis dit, un carte tout carré, allez, allons-y. Un bouffetou, c'est une créature venant du jeu Dofus, et aussi Wakfu, enfin de l'univers d'Ankama. Un genre de mouton agressif. Alors, pour ceux que ça intéresse, quand j'ai arrêté Dofus, je devais être level 113 et j'avais un élevage de dragons d'Inde. Et je passais plus de temps à faire mes métiers, à élever mes dragons d'Inde, qu'à réellement faire quelque chose dans le jeu. Voilà, une petite corne, et là, une grosse corne. On exagère à mort. Le bouffetou qui a une carapace, voilà, dans la main, enfin la patte, le sabot, je ne sais pas ce qu'ils ont. Un tout petit œil, et là un gros œil, un peu d'ombre. On lui fait un sabot là pour dire qu'il conduit quand même. Ah, 2 minutes, voilà, je mets de l'ombre, je mets une route, et voilà, c'est terminé, je signe. Pour le coup, je suis plutôt satisfait de ce bouffetou sur un kart. Alors j'ai rajouté du bleu, car je vais le faire gagner, comme les autres dessins, mais celui-là seulement à un tipeur, parce que mes tipeurs sont au nombre de 5 aujourd'hui, et je ne les remercie pas assez, je leur fais pas assez de petits cadeaux. Donc voilà, c'est exceptionnel. Celui-là sera à gagner par un tipeur que je sélectionnerai un petit peu plus tard, donc si vous voulez tiper pour le gagner, allez-y, mais vous n'êtes pas obligé, il y aura d'autres dessins à gagner dans les prochaines émissions par tout le monde. D'ailleurs, c'est Antoine Chiari qui a gagné ce magnifique garoche avec du ketchup qui est en train de moisir. Donc je t'enverrai un autre dessin en même temps. Comme ça, si celui-là un jour est dévoré par la moisissure, eh bien tu en auras un autre. J'ai plus rien à vous dire à part de liker et de partager. Et si vous le faites pas, je vous envoie un bouffetou enragé. Attaque ! Putain d'ougar, je drop pas, non n'invoque pas. Enfin, je lui fais la peau.